Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Bac S, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 4. Les questions 1 et 2 de cet exercice pourront être traitées de manière indépendante. On considère la suite des nombres complexes Z indice n définie pour tout entier naturel n par Z indice n est égal à 1 plus i sur 1 moins i, le tout puissance n. On se place dans le plan complexe d'origine O. Question 1. Pour tout entier naturel n, on note A indice n, le point d'affixe Z indice n. Question 1a. Démontrer que pour tout entier naturel n, Z indice n plus 4 sur Z indice n est réel. Question 1b. Démontrer alors que pour tout entier naturel n, les points O, A indice n et A indice n plus 4 sont alignés. Question 2. Pour quelle valeur de n, le nombre z indice n est-il réel? Il y a exercice 4, exercice sur les nombres complexes. Z indice n est égal à 1 plus i sur 1 moins i puissance n. Donc on veut montrer que z n plus 4 sur z n est réel. Donc ici, soit n appartenant à n, soit n appartenant à n, on va calculer z n plus 4 sur Zn. Donc ici, 1 plus i sur 1 moins i, n puissance n plus 4, sur 1 plus i sur 1 moins i puissance n. Donc ici, a sur b, a fois 1 sur b, donc 1 plus i sur 1 moins i puissance n plus 4, fois 1 moins i puissance n sur 1 plus i. Alors, qu'est-ce qui va se simplifier ici? On a terme 1 plus i, 1 plus i. Et ici, on a une puissance n, et ici une puissance n. Alors, si on réécrit, on aura 1 moins i puissance n sur 1 moins i puissance n, fois 1 moins i puissance 4. Donc ici on a bien un terme en 1 moins i puissance n, 1 moins i puissance n. Donc ici nous reste 1 sur 1 moins i puissance 4. Ici on va pouvoir multiplier par 1 plus i puissance 4. Pourquoi? Parce que z égale à 1 moins i, z bar est égal à 1 plus i. Or ici, donc ici z puissance n conjugué, c'est égal à conjugué de z puissance n. Donc ici on aura 1 plus i puissance 4 sur 1 moins i, 1 plus i, le tout puissance 4. Or ça c'est module de z au carré. Donc module de z au carré, donc ici si z est égal à 1 moins i, z bar est égal à 1 plus i, z bar, c'est égal à module de z au carré. Donc c'est 1 plus 1 au carré plus 1 au carré. Ça fait 2. Donc ici, il va nous rester 1 plus i puissance 4 sur 2 puissance 4. Et 1 plus i puissance 4, on peut le calculer facilement. 1 plus i puissance 4, c'est égal à 1 plus 4i plus 6i au carré plus 4i puissance 3 plus 1. Alors ici, comment on obtient les coefficients 4, 6, 4, 1? Eh bien on fait le triangle de Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Donc on a bien 1, 4, 6, 4, 1. 1 plus 4i. I au carré c'est moins 1 donc moins 6 plus i au cube c'est moins i donc moins 4i plus 1. Donc ici on voit que 4i et moins 4i disparaissent. Donc il va nous rester moins 6 plus 1 plus 1, 2, donc moins 4. Ainsi zn plus 4 sur zn, on a dit que c'était 1 plus i
puissance 4 sur 2 puissance 4. Puis on aura moins 4 sur 16. Donc ici, moins 1 quart. Et moins 1 quart appartient bien à R. Donc ici, moins 1 quart appartient bien à R. Donc Zn plus 4 sur Zn appartient bien à R pour tout n appartenant à n. Alors démontrons que les points O à n plus 4 sont alignés. Donc ici, on peut soit démontrer que l'angle ANO à n plus 4 est égal à soit à 0, soit à pi modulo 2π, donc est égal à pi modulo pi. Et donc ici, on aurait un angle de 0 ou 280 degrés, donc on dirait que les points sont alignés. Donc pour cela, on peut utiliser l'argument suivant. Z appartient à R si et seulement si l'argument de Z c'est égal à pi modulo pi. Ou alors, on peut dire Zn plus 4 sur Zn est égal à moins 1 quart. Donc ici, ça veut dire que Zn plus 4 est égal à Zn sur 4, moins Zn sur 4. Ou encore, moins 4 Zn plus 4 est égal à moins Zn. Ça, c'est Zn plus 4 correspond au vecteur O à n plus 4. Donc moins 4 O à n plus 4 est égal à O à n. Donc ici, les vecteurs O à n plus 4 et O à n sont collinéaires. Donc les vecteurs O à n plus 4 et O à n sont collinéaires. Donc les points O à n plus 4 sont alignés. Donc voilà une autre manière de déterminer l'alignement des points O à n plus 4. Ici, O à n plus 4, O à n. Alors, pour quelle valeur de n le nombre Zn est-il réel? Donc ici, on va utiliser la propriété suivante. Zn appartient à R si et seulement si l'argument de Zn est égal à pi modulo pi. Ou encore, arg de Zn, c'est égal soit à 0 modulo pi, soit à pi de pi ici, soit à pi modulo de pi. Alors z indice n, c'est égal à 1 plus i sur 1 moins i puissance n. On va calculer l'argument de Zn. Donc argument de Zn, c'est égal à l'argument de 1 plus i sur 1 moins i puissance n. Or ici, argument de a sur b, donc a sur b, on va dire z sur z prime, eh bien c'est l'argument de z moins l'argument de z prime. Donc ici, argument de 1 plus i moins argument de 1 moins i puissance n. Argument de z puissance n, eh bien c'est n fois argument de z. Donc ici, argument 1 plus i moins n argument 1 moins i. Alors ici, on peut aussi remarquer que 1 plus i, c'est le conjugué de 1 moins i. Donc 1 plus i est égal à moins i, 1 moins i bar. Et argument de z bar est égal à moins argument de z. Donc ici, on peut calculer argument de 1 plus i, sachant que 1 plus i, eh bien, c'est 1 sur racine carrée de 2, racine carrée de 2 sur 2, plus i racine carrée de 2 sur 2. Donc ici, sur le cercle trigonométrique,
Racine carrée de 2, racine carrée de 2, ça correspond à un angle de pi sur 4. Ici, on a un angle de pi sur 4. Donc l'argument de i plus 1, c'est pi sur 4. Donc ici, pi sur 4 moins n, donc plus n fois pi sur 4. Ici, on aura donc n plus 1 pi sur 4. Donc l'argument de zn, c'est n plus 1 pi sur 4. Or ici, argument de zn, zn appartient à R, si et seulement si argument de zn, c'est égal à pi modulo pi. Donc c'est-à-dire, donc ici zn appartient à R, si et seulement si argument de zn, c'est égal à kpi. Kpi plus pi. Donc ici, n plus 1 fois pi sur 4 est égal à k plus 1 pi, ou encore, ici on multiplie par 4, n plus 1 pi égal à 4k plus 1 pi. Donc ici, si on note ça grand K, donc si et seulement si n plus 1 est un multiple de de 4, et donc l'ensemble n supérieur ou égal à 0, donc ici n appartient à l'ensemble des 4k moins 1 avec k supérieur ou égal à 1 k appartenant à n étoile. Voilà, zn appartient à R si et seulement si n appartient à l'ensemble des nombres qui s'écrit 4 fois k moins 1 avec k appartenant à n étoile.